Quand elle aime, Nabila ne compte pas. Preuve en est, actuellement à Paris pour l'anniversaire de Thomas, elle fait une énorme folie. Nabila est dingue de Thomas, son mari, le père de ses deux enfants Milan et Leyane. D'autant que pour son anniversaire, ce 14 août, elle a fait une énorme folie. Dans ses stories Instagram, Nabila révèle les coulisses de leur voyage en amoureux à Paris. Au programme, hôtel de luxe et gros cadeaux. Quand elle aime, Nabila ne compte pas et pour célébrer l'homme de sa vie aujourd'hui, elle a décidé de lui offrir une montre de la marque Audemars Piguet. Une énorme folie à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si les prix de ces petites horloges sont à faire tourner la tête, ce n'est qu'un accessoire de luxe de plus pour le couple. Nabila est désormais à la tête d'un petit empire, avec sa ligne de beauté Nabila Beauty et ses 7,9 millions d'abonnés sur Instagram. Pour certains, l'ancienne candidate est complètement déconnectée de la réalité. Elle était clashée dernièrement par une chroniqueuse de TPMP après avoir déclaré sur Snapchat qu'elle ne prendrait plus jamais de vols commerciaux. Juste après avoir été désinguée par des internautes pour un geste jugé peu écologique qu'elle partageait sur son compte Instagram. Nabila compte désormais en millions, s'achète des sacs de luxe en veux-tu en voilà et voyage en jet privé, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur. Le 12 septembre dernier, elle venait par exemple en aide à ce petit garçon qui pourrait être son fils. Bonsoir à tous, cette famille a besoin d'aide, leur petit bout de 2 ans et demi est né sans tibia, leur famille a créé une cagnotte pour le faire opérer à Dubaï et comme vous n'êtes pas sans savoir que cela coûte très cher, allez faire un don svp@nabila, l'avait interpellé une tweeta la veille en partageant le compte TikTok du petit garçon en question pour que mes médailles marchent. Dès le lendemain, Nabila lui faisait signe de la contacter, laissant penser qu'elle allait mettre la main à la poche pour les aider. Généreuse avec les siens donc, mais pas que.